Bonjour tout le monde, c'est Charlotte et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre défi Rockstar. Aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur de la maison parce que, écoutez, il y a un événement qui s'est passé pendant la nuit. Je ne m'y attendais pas, vu qu'on n'a aucun objet de valeur, je m'y attendais vraiment pas. Je vais vous le dire tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Tout simplement, on s'est fait voler, voilà, cambrioler. Non mais sérieusement, mais on n'avait rien les gars. La voleuse s'est fait cambrioler. Écoutez, qu'est-ce qu'il a pris le cambrioleur? Je crois qu'il a pris déjà le premier objet que nous avions volé. Je sais plus où est-ce qu'il se trouvait, je sais plus si c'était là ou là. Mais voilà, on s'est fait cambrioler ça. Ensuite, le miroir, bien sûr, et une chaise. Une chaise de salle à manger. Non mais sérieusement, on a réussi à se faire cambrioler. Bon, écoute, Julie, je suis désolée, mais tu vas devoir te lever. Maintenant, elle est traumatisée. Non, quand même pas. Mais en tout cas, elle sait ce que ça fait de se faire voler pendant qu'elle dort. Même un peu triste hein, pour ce... Ah non, il est là. Ça va, c'est bon. Je l'avais récupéré, mais je sais pas pourquoi je l'avais récupéré. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Notre premier objet qu'on a volé, il est bien là. Également, j'ai changé la coiffure de notre petite Julie. Voilà, j'aimais pas forcément trop cette dernière coiffure qui est restée en bug. Mais voilà, là c'est une nouvelle coiffure, je trouve que ça lui va beaucoup mieux. On va aller manger déjà dans un premier temps. Tu vas certainement manger debout vu que tu n'as aucune chaise. Je pourrais lui acheter, oui certes, des choses. Mais en fait, j'ai envie qu'elle ait son appartement, enfin sa maison. Oui bah non, elle s'assoit sur les toilettes, c'est parfait ça. Également, j'aimerais bien qu'aux épisodes prochains, on puisse voler un chevalet parce que j'ai envie que Julie ait un mari et que ce mari-là puisse nous faire des toiles pour gagner des Simfoos. Voilà, les règles exactes du challenge sont toujours en barre d'infos et surtout sur la catégorie mariage. On va trouver les cours en solde déjà. Est-ce qu'elle travaille aujourd'hui? Oui, donc 4 heures. Au niveau de ses compétences, bon ça va, ça peut être pire. Ensuite, on va payer les factures, 57 Simfoos. Bon écoutez, ça va, tranquille. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Se lier d'amitié avec Moxie, avoir 5 étoiles, bien sûr, de célébrité et jouer de la guitare. Oui, ça marche. On va aller essayer de se lier d'amitié avec Amy Solène. On n'avait pas réussi à le faire à l'épisode dernier, vu qu'elle était en bug, forcément. Là, j'espère qu'elle pourra. Où est-ce que c'est que tu nous amènes? Oui, oui, tu vas appeler, c'est simple. Désolée, on ne vous connaît pas. Mais justement, j'ai envie de te connaître. Ah, tu sors. Attends. Non, tu t'en vas. Ah, elle va au travail. Ok, bon. Et tu peux pas essayer de rentrer discrétos dans cette baraque? Non, c'est pas possible. Ok, bien, écoutez, je crois que dans les terrains communautaires, on peut pas voler. Bon, du coup, en attendant, on va aller au travail directement. Comme ça, au moins, elle nous rapporte des Simfoos. Et puis après le travail, on ira chez les gens pour aller chercher notre chevalet et notre guitare, bien sûr. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai perdu espoir pour la guitare. Non, mais c'est toujours compliqué, quoi. Ça fait... je crois qu'on l'a découverte à l'épisode 3. Et voilà, on est déjà à l'épisode 12. On n'a toujours pas pu récupérer notre fameuse guitare. Donc, voilà. Travaille bien, Julie. Ramène-nous plein de Simfoos. Elle a atteint le niveau 4 en guitare. Super. Ça y est, elle est rentrée du boulot avec... 140 Simfoos, tu vas pas rentrer directement, cher ami. Tu vas essayer d'aller chez les gens pour récupérer un chevalet. Écoutez, on va essayer d'aller trouver Amy dans un premier temps, si c'est possible. Bien, je ne l'ai pas trouvée, évidemment. Hein. Du coup, on va aller se présenter à des gens, d'avoir des amitiés. Comme ça, on pourra aller chez plus de monde et fouiller leur appartement. En plus, on est dans un lieu branché. Non, fermez pas! Également, je lui ai changé sa tenue de soirée, comme vous l'aviez remarqué certainement. Bon, elle attend l'ascenseur, hein. Rencontrer Richie Stryker. Oui, pourquoi pas. On va essayer de faire ça. Elle est un peu tendue, notre Julie, du fait qu'elle s'est fait voler. Et elle est un peu stressée également. Ouais. Oui, évidemment que l'accès, elle est libre pour nous. On est célébrité 3 étoiles quand même. N'empêche qu'aux épisodes, aux premiers épisodes, c'était hyper galère de rentrer. On se faufilait et tout. Ah là là, c'était une bonne vieille époque. Hein.
Bon, tu vas te présenter un peu aux célébrités. J'aimerais bien que, du coup, à défaut de pas avoir de guitare, on va se présenter aux gens et on va essayer d'avoir niveau 5 étoiles. Discuter avec lui. Oh, ils ont déjà une petite barre d'amitié. Super. J'aimerais bien qu'ils aient une bonne amitié comme ça. On va chez lui. On vole. Oh, il y a Richie Stryker qui est ici. On va se présenter à Richie. Voilà, saluer une célébrité. Est-ce que t'es impressionné par nos talents, Richie? Ouais, on veut que nous soyons au centre de l'attention et pas Richie. S'il vous plaît, les gars. On veut se présenter à Richie. Ah, franchement, il est quand même beau gosse, hein, Richie. Oh, en plus, attirons ce canon. Mais là, mais oui, oui, oui. Franchement, on est trop bien. On va tenter de l'impressionner, parler de sa compétence guitare, voilà. Parler de sa richesse, mentionner sa relation avec Mathieu. Quoi? Il n'a pas apprécié notre compétence guitare? Ok, bon, s'il te plaît, Richie, sois pas trop... Ah, il n'a pas apprécié non plus de parler de sa richesse. Là, il est impressionné du fait qu'on connaît bien Mathieu. Par contre, mentionner sa relation avec Aria, qui est juste niveau 2 étoiles, ça l'impressionne pas du tout. Waouh. Mais en vrai, je suis sûre que plus tard, on sera comme Richie, dans le sens où ça nous impressionnera pas trop les gens qui veulent essayer de monter, tout simplement. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien, Julie. Mais oui, on est quelqu'un de bien. Tu en doutais? Bon, écoute, on va se présenter à toi. On va discuter, du coup. J'aimerais bien qu'on soit amis, comme ça, on va chez toi. Toujours la même technique, les gars, ok? Donc, ça marche, j'ai envie de dire. Ok, on va enlever ça. Et on va essayer de se lier d'amitié avec Richie. Il est mieux placé, voilà. Regardez-moi comment ils ont l'air de très bien sympathiser. C'est clairement le style de Julie de dire des ragots sur les uns et les autres. Faire le signe du surfeur. Ça t'intéresse? J'adore, c'est trop marrant. Moi, j'aimerais bien qu'on me demande aussi des autographes et tout. Bon, on n'est que niveau 3 avec Julie, mais j'aimerais bien, les gars. Bon, bientôt, bientôt, on espère. Si on obtient peut-être le niveau 4, les gens nous demanderont « Ah là là, c'est Julie! J'ai trop envie de discuter avec elle, de prendre une photo avec elle, ouais !» On va raconter des ragots, toujours. Elle adore raconter des ragots et j'ai l'impression que Richie, de même, parlait du cambriolage. Franchement, tu te rends compte, Richie, il y en a qui viennent dans ta maison pour te voler les choses. Ils gagnent leur vie avec ça, tu te rends compte? Non mais c'est n'importe quoi. Vous savez quoi? Mathieu Hamming est incroyablement riche. Qui l'eût cru? Oh oui! Qui l'eût cru? Lui, il est en train de négocier, regardez. Non, non, vous ne passerez pas. C'est accès réservé qu'aux célébrités, comme nous. Se battre? Non, 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 t'as besoin de lui. T'as besoin d'avoir une étoile en plus. Ah mince, c'est l'heure de la fermeture. Bon, on va rentrer. Bon, par contre, la garde-robe de Richie, franchement, elle laisse à désirer. Hein. Il est peut-être riche, mais il a aucun goût vestimentaire. On n'aura rien volé aujourd'hui, mais on aura fait la connaissance de Richie. Et j'espère que chez lui, il aura un chevalet. Franchement, ce serait vraiment trop trop bien. Bien, nous voilà arrivés, on va utiliser les toilettes, manger quelque chose. Donc voilà, on a besoin de monter en hauteur, ainsi qu'en célébrité, pour notre challenge en fait. Donc c'est pour ça que je ne mets pas trop de Simflouz dans cette maison, parce que j'ai une autre maison qui est presque prête, enfin... dont la construction, on va dire, est presque prête. J'ai envie d'avoir assez de Simflouz pour pouvoir me la payer. Et après, on meublera petit à petit la maison, la fameuse maison en question. Ah oui, ils ont volé aussi notre lampe. Ah bah, c'est super. Je vais juste faire quand même quelques petites rénovations. Elle vient de casser le robinet. Bah, c'est génial. Donc, je disais, on va faire quelques petites rénovations. Et puis après, on se laissera là, voilà, comme d'habitude. Bien, voici donc la maison, les petites rénovations que j'ai faites. Je lui ai mis une trousse à maquillage parce que, vous savez, Julie, elle aime bien se maquiller. Et voilà, je l'ai mis sur la table, les plans de travail de la cuisine. Juste un petit peu agrandi la cuisine, mais sans plus, quoi. Bon, sinon, nous, c'est sur ce que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on se retrouve demain pour un épisode du Legacy et jeudi pour une nouvelle vidéo dans ce Let's Play. Portez-vous bien et c'est un ciao !